Ou même Catherine. Personnellement, je ne pas vraiment connaître un peu le contenu de cette rencontre et tout ça, mais juste si je peux réagir par rapport à ce que le père Franchet peut dire, de l'épicose surtout sur cet élément de la justice. Et tout ça, je pense que c'est vrai, cet élément de justice, mais en même temps, on pense, en écoutant, en même temps, on pense beaucoup plus, aller plus loin un peu, et même pense, par exemple, cette élection de Obama, que tout le monde peut donner l'exemple, que nous visons suivre l'exemple, et que personne ne peut suivre. Mm-hmm. Seulement, nous, tout peut donner l'exemple, hein, que c'est ceci, c'est cela. Et on peut en même temps réfléchir, on peut dire que ça, si ce qui est triste dans tout ça, pour moi, ce qui est triste, c'est que l'être humain, l'inoublié, une chose fondamentale, que nous sommes tous, allons dire, égaux devant Dieu. Je représente le conseil de religion, donc nous croyons, nous en tant que co-religieux, nous tous nous dédions à ça, que nous sommes égaux et tout ça. Alors que dans ce sens, dans ce cas, quand nous peut dire A, quand nous peut défendre un groupe ethnique, un inférieur, un supérieur, un ceci, c'est l'inverse, c'est le contraire de cette unité, cette harmonie, et rien que de la création. Bon, Dieu va créer un inférieur et l'autre groupe, je sais pas quoi. Il n'y a pas ça dans la création de Dieu. Ça, ce sont des inventions que nous n'apportons, et aujourd'hui, nous peut baser sur ça pour, comment dire, fortifier ou consolider notre croyance même. Alors, Amine, soit tout du monde à l'enterrain, soit tout du monde reste la case. C'est exactement ce que Père Philippe Franchet peut dire. L'inaturel, c'est ce que nous peut discuter derrière là. Mm-hmm. L'inaturel, quand un groupe descend de l'enterrain, ben, les autres sont-ils autres menacés, ou bien sont-ils autres envieux de sa groupe qui est l'enterrain, qui peut s'estiquer de là. Donc, tout de suite, vous descendez. Père Franchet, cause élection Obama aux États-Unis. Et des lobbies également. Et des lobbies, etc. Il peut placer ça purement le terrain ethnique, la baguette qui n'arrivait. Obama fin élu dans l'Amérique parce que tout le peuple américain, dans sa majorité, fin vote pour lui. Fin pose des questions, est-ce qu'il peut voter pour un noir américain ou bien pas. Pourquoi nous pouvons faire une grande avancée dans Maurice, nous peux dire là qui, on pas votant en fonction appartenance ethnique de Bandimoun qui est candidat, mm-hmm. mais nous pouvons faire une grande avancée si vraiment demain nous pas posons la question avec sa bougla qui caste était, avec sa bonne femme là qui communauté y était, qui religion y était. Zou qui vraiment nous paraît poser nous sa question là, comment un simple certains Bandimoun pose ça dis pour connaître qui background Bandimoun là, hein, peut-être il peut pas voter à cause de ça, mais il y a envie qu'on ait un goût qui était ça. Mais où qui nous dépasse tout ça, ban clivage là, et nous votons point du monde, zis parce qu'il est compétent, zis parce qu'il sont une idée intéressante, zis parce qu'il sont parcours intéressant, nous pouvons faire un joli chemin. Et c'est pas une question d'ethnicité ou quoi que ce soit, c'est juste une question de reconnaître ban talent avec ban du monde qui est compétent pour mettre dans nos parlements. Donc, la compétence. Alors, nous poursuivre, bien sûr, nos débats après la pause. Vous pouvez avoir le téléphone, nous, lors des 118-90 pour poser de bonnes questions. À nous, ban l'invité, nous manque tout de suite une pause. Controverse sur Radio 1. Planifier des études en Australie, IVP Mauritius représente les 41 universités ainsi que de nombreux collèges vocationnels d'Australie. IVP Mauritius vous donne rendez-vous le vendredi 27 février 2009 de 11h à 18h30 ainsi que le samedi 28 février 2009 de 10h30 à 17h30 au Labourdonnais Waterfront Hotel à Port-Louis. Venez rencontrer les représentants d'une vingtaine d'institutions de Perth, Melbourne, Sydney, Brisbane et Adélaïde pour vous conseiller gratuitement sur vos choix d'études. Pour plus de détails, contactez IDP Mauritius sur le 210-19-71. Imaginez un univers de délices. Marquette de Lu, Pépito de Lu, Coqueline de Lu, Taïfine de Lu, Hello Cookies de Lu. Vous n'imaginez pas que Lu proposait tant de savoureuses recettes. Du petit biscuit au gâteau moelleux, du salé au sucré, vous êtes au bonheur des gourmands. Des plus petits aux plus grands. Lu, tous les biscuits que j'aime. Les paquets de biscuits Lu contiennent des sachets fraîcheurs que les enfants sont ravis de retrouver à leur goûter. Les hypermarchés Jumbo, Phoenix et Richter et les supermarchés Spar s'engagent à combattre la vie chère. C'est notre engagement pris bas. Plus de 500 produits de tous les jours à des prix hyper distants.
venez et comparez les prix des produits de vos besoins quotidiens et faites de vraies économies. Jumbo Phoenix, Jumbo Richter et les supermarchés Spar, tous les jours les moins chers. Municipalité qui a pipé que Solémère en collaboration avec Radio One et la Grand Plaisir invite Jod pour grand spectacle commémoratif 10 ans l'amour Kaya, samedi 28 février devant l'Hôtel des Villes. Spectacle-là dirigé par Lynn Lemoutien avec ce man duo inédit, Rasmini, Koulizaï, Dumpani, Menoir et Kenta les jeux en cours. Programme-là gratuit pour commencer cet été tantôt. Vine en grand nombre pour Ranomaz, un artiste qui marque nous l'histoire. Dans cigarette, il y en a plus qui 4000 produits chimiques et plus qui 50 produits qui capables de nos cancers. Radio One. La fréquence. Liberté. 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 Controverse. Sur Radio One. Ok, écoute, Radio One et Zordino Pekoslo, la religion et la politique. Et tout de suite, nous poursuivons avec nos mal entretiens. Et là, Nouena Bachia Mohidine, président de l'Union musulmane en Libye. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bachia Mohidine, la question est simple. Est-ce qu'il, d'après vous, bizarre mélange politique et religion? Bon, pour moi, personnellement, non. Nous pas gagnons droit mélange politique avec la religion. Mais, n'empêche, une personne qui pratique la religion, ne pas gagner droit en plus, faire la politique. Mais pas gagner droit servir la religion pour faire la politique. Ça, ça fait la différence. Si moi, une personne religieuse, personne n'a pas gagné droit pour faire la politique. Mais c'est moi, en tant qu'un président de l'Union musulmane, je n'ai pas gagné droit pour prendre l'organisation de l'Union musulmane pour faire la politique et pour venir, comme certains m'ont dit, vous pouvez dire, venir dans le mot d'ordre, influencer une communauté, quoi, le vote X, Y, Z. Non. Loin de là. Mais c'est moi, personne n'a pas gagné droit de venir faire la politique. Moi, en tant que Bachir Mohidine, président de l'Union musulmane, moi, en tant qu'être humain, j'ai gagné droit de venir et m'ont fait la politique, comme ça, comme moi, mais c'est moi, m'ont pas gagné droit de venir donner un mot d'ordre. Et d'ailleurs, m'ont pas croire qu'il n'importe, bon, si quelqu'un peut me dire, m'ont pas très trop croire, ça va, qu'il peut venir donner un mot d'ordre, ça veut dire une société ou une religion en entier pour écouter sa mot d'ordre, pour comment dire, le voter. Ça veut dire, nous peut prendre ce comité-là entier, comment dire, m'ont dit, qui est imbécile, ça veut dire, je pas qu'on voter, je pas qu'on juger qui est bon, qui est pas bon. Donc, c'est en tant qu'individu qui peut trouver vous dans numéro 8 ces derniers temps? Bon, tout le monde, en tant qu'individu, mon gagne droit, passer mon qui est une espèce de situation, qu'on va dérouler, après l'ambiance dans la circonscription, et, ou pas pour tout le monde, venir, pour venir donner mot d'ordre, ou ça, pour venir causer, pour venir, prendre la parole, non, loin de là, hein. Et moi, d'ailleurs, moi, fin de dire, et d'ailleurs, dans le journal, moi, fini de dire, les francs, et qui, la communauté musulmane, est bien voté, lui, est bien guetté, il fait son intelligence, travail, et côté de l'avantage pour la communauté, et côté de l'avantage pour le pays, il est bien voté là-bas. Alors qu'on a trouvé aussi qui le tissu social est quand même fragile. Est-ce qu'il ou pas penser qu'il y a autant de présence de man communauté, de man groupe socioculturel, qui quand même amène justement à man conflit sur le terrain? Non, vraiment très fragile. Et moi, personnellement, mon compte ça, parce que moi, pas mal du monde qui va vous débouter, va vous compter. Et d'ailleurs, mon dialy aussi. N'importe qui socioculturel, s'il a envie de donner un coup de main, sans faire publicité, sans faire tapage. Bon, il y en a même qui fait une descente dans sa construction, qui fait un rallye, qui fait toutes ces affaires-là. Quand il y a beaucoup de monde qui est mécontent, hein, mais qui est hindou, qui est musulman, qui est catholique, et qui pas fait content de la façon qu'il s'est déroulé. Quand il y a une élection, c'est une élection. Quand il y a un individu passé dans son racard, il en vient à le voter, il vote, ça qu'il dit tout bon. Mais pas rallye que vous venez avant comme ça, mais ça rallye là, peut-être faire ça, mon frère, ça. Non, on n'est pas imbécile, c'est un rapport là. Right? Mais seulement, comme on a un tissu social, on vit dans un pays multiracial, moi, je pense que c'est une affaire société, rentre dans une affaire politique. Moi, personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais seulement, comme on me verrait, la religion prend empêchement à faire la politique. Et d'ailleurs, dans toute religion, la politique, c'est permissible. Nous, on bien comprend au point. En tout cas, merci beaucoup, Fin Intervenir, Bachir Mohidine. Je rappelle qu'il est président de l'Union musulmane. Donc, peut-être une réaction, Rabine, par rapport à ce qui Bachir Mohidine fait que nous. Rabine, aussi, moi, je peux dire, c'est le meilleur moyen, pas influencer quoi que ce soit, ou bien pas faire, pas monter la mayonnaise, finalement, c'est, quand on est responsable religieux, quand on est capable d'étiqueter comme étant quelqu'un qui est capable de donner le mot d'ordre, ou bien dont la présence peut être, pour influencer les choses, ou résoudre la fin. Alors, ça rejoint un petit peu au moment qu'après, c'est qu'on peut dire, chacun est libre de faire ce choix.
Bien sûr. Vous pensez qu'un point indien, au fait, c'est justement.